Cassez-vous, cassez-vous. Voilà. Ah non, vous. Ah oui, la porte là est ouverte. Bah. Barrez-vous, loin. Ouais, barrez-vous. Donc, d'accord. Ils ont fait, donc ça confirme ce que je pensais. Ils sont descendus. Là, il y a une porte que je ne peux ouvrir sans doute parce qu'elle est trop grande. Donc oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ils sont venus. Ah, par contre, le cobol, il va être un peu dans la merde. Ah, s'il crève le cobol, on clôt des animaux. Ah, il y a encore des animaux. C'est trop mignon. Bon, là, c'est une porte verrouillée et piégée. Ils savent piéger des portes. Oh, je suis estomaqué. Ouais, j'utilise des mots trop compliqués, wesh. Ah, magicien. Ah non, je suis tombé sur un piège. Oh là là, non. Un piège qui me ralentit. Ah là 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 là. Oh non, je suis étourdi. Mince. C'était compliqué comme combat. Des choses, des révélations. Je prends, je prends, je prends, je prends, je prends. Et non. Non, pas ça. Ça, c'est moche. Des livres. Putain, t'as pris un livre. Oh. Oh oh. Alors, attendez, on va lire ça. Alors. Les pages de cette épée grimoire sont jaunies et s'effritent à cause de l'âge. Il est rédigé dans une langue qui ne vous est pas familière. De nombreuses annotations ont été faites en marge, mais certaines sont dans une sorte de langue gobeline alors que d'autres sont en langue commune. Voici le contenu de l'une des notes. Juste moi un coup par contre. Excusez-moi. Donc, le contenu. Les ruines découvertes sous les grottes sont, selon moi, d'origine Netheris. C'est une remarquable découverte si loin de l'anneau roche. Je suppose qu'il s'agissait d'une sorte d'endroit où l'on s'entraînait à la magie, d'où son éloignement de l'Empire. Quoi qu'il en soit, il n'est pas échappé à la destruction de Netheril. La plupart des parchemins et des objets magiques que nous avons extraits ont été détruits ou sont inutiles. Les quelques artefacts intéressants que nous avons découverts ont été récupérés par cette foutue ensorceleuse. Si seulement elle acceptait de nous dire ce qu'elle cherche ici, toute cette opération s'avère moins s'avérerait moins frustrante. Je pars du principe que c'est un gnoll qui l'a écrit. Ouais, je parle du principe. Ah, j'arrive plus à parler. Dégueulasse maintenant. Ah, dresseur. Oh, une double lame. Il est loin le temps des doubles lames. D'accord. Oui, tu as la clé, je pense. Oh. Est-ce que je le fais? Oh, je le fais. Oh, vas-y, je le fais. Attention. Attention, spectateur, la corne. Oh, ils sont mignons. Ah, attends. Oh, oui. Oh, c'est trop bien. Oh, il y en a... Oh,
Oh, regardez, ils sont mignons maintenant. Oh, regardez. Oh, c'est trop bien. D'accord, donc ça, je suis dessus. Ouais, donc c'est... On va dire que c'est un raccourci. Ah, oh, c'est tellement mignon, un petit ours. Ah, oh, nah, l'autre côté. J'ai une corne. Attends, je... Attends. Ah oui, ah oui. Oh, il est mignon. Ah. Ça tombe vers vous, je lance un regard plein de haine, inconvénient sur... Ah, ok. Ouais, donc... Donc, non, mais je crois. Donc, les enfants, sachez que lorsque vous voyez des animaux qui sont très très gentils ou qui vous attaquent et qu'ils ont des marques et des coups, et bien comme c'est marqué ici, on frappe et on l'affame pour les rendre plus dociles. Je sais que j'ai vu un reportage avec ça. C'est dans une superbe émission ou un superbe compte Twitter. On va voir cette porte. Messieurs, bonjour. Un intrus. Oh, tu. Ah, toi, tu pues la classe. Un gardien. Alors. Tu puais la classe. Mais maintenant, tu pues la loose. Et tu as une faux. Clé de la. Ah, c'est toi qui avais la clé. Tu me fais voir, c'est un mur de. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais en fait, ta faux était super intéressante. Et c'est toi qui avais la clé. C'est toi qui avais la clé. Oh, alors, oh mais comment. Oh la vache. Alors ça, je suppose que c'est le coffre des... comment s'appelle? Des kobolds. Enfin, les... Oui, il faut... Oui, il fallait que je prenne la clé. C'est bon, j'ai compris. Que je prenne la clé. Voilà, voilà, j'ai la clé de la prison. J'ai vu ce râtelier. J'ai vu ce râtelier, c'était de merde. Voilà, faut que j'ouvre la porte avec les cobalt dedans. Ils sont morts. Celui-là est mort il n'y a pas longtemps, je crois. Donc, ouais, c'est des cobalt morts. En même temps, il y a des trucs d'exécution. Là, il y a rien. Peut-être un survivant dans celle-ci. On ne sait pas. Oh, bonjour toi. Les prisonniers kobolds. Oh, wow. Bonjour. Comment tu es là? Alors, oui. Oui, d'accord. Alors. Oui. Pourquoi? Oui, bon, d'accord. Oui, c'est ton maître. Ah, d'accord. Grosse dent dragon. Ah, mais c'est la dent qu'il nous faut. Ok. Poison. Ah! Couteau magique. Yurko. Ah ah, bon. J'ai autre chose à te demander. Bon non. D'accord. Savez-vous vous battre? Bon d'accord, et eh ben. Bon bah Nick. Bon, cassez-vous. Fichez le camp. Casse-toi. Cassez-vous, vous me pétez les. Vous m'emmerdez, voilà. Donc, de toute façon, le chemin, il est libre. C'est laquelle de porte? C'est ici. Donc là, mon journal de quête. Il est raide. Ouais, mais là, voilà, je suis en train de bourrer tellement les quêtes. Bon, cette porte. Elle doit rejoindre ici. Normalement. Ce qu'il faut que je. Ah, qui sait qui a la bonne clé? Ou alors faut que j'entre là. Et là, ce serait tellement pas logique parce que la porte elle est grande. Donc du coup, on s'attend à ce que ce soit pas là. Mais si! Ah, ça m'énerve! Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah non, c'était un gong. Non.
Putain, c'était ça. Aha! Bonjour, je viens parler. Je veux parler à votre chef. Bon, moi je voulais juste parler. Ah! Merci. Réponds à mes questions. Ah merde, il est hébété. Ah non, ce cobalt est hébété. D'accord. Pourquoi? Ah alors, ça faut vraiment fiche. Tout ce qui compte, c'est y retrouver Mountain Jane et c'est. Alors, bon, très bien, j'ai plus de questions. Oh, salut, j'ai la clé. Voilà. Très bien. Pars, casse-toi. Sa clé, oui. Allez, cassez-vous. Oh, comment il part en pipe? Il court même pas. Oh, comment il se casse, mais tellement. Rien à foutre. C'est pas. C'est tellement des pimps. Voilà, il se barre en marchant, genre. Ok. Très bien, on se barre. Mais on s'en fout, on s'en fout. Donc, cette. Ah, j'arrive pas à prononcer son nom, ça me merde. Oh, ce flou d'armes! Oh, ça m'excite. Ce fléau d'armes, il était tellement beau. Donc, alors attends, là, y a pas une. Non, ta gueule. Ferme ta gueule. Oui, ce guerrier. Donc là, on ouvre la porte. Hein? On ouvre la porte. Merci. Faut que je me repère. Donc, on ouvre les portes. Donc, en fait, ma théorie du début, c'est-à-dire il y a environ 1 heure. Elle tient tellement la route. Alors là, il y a une porte. Et là, il y a une petite porte cachée. Qui est. Pardon. Excusez-moi. Vous disiez, c'est verrouillé. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, madame. Ah, c'est la grotte. Ah, merde. Azur. Mais non, mais attends. Ah, mais là, il. Bon, on va commencer par là. On va commencer par le chef, hein. On va dire c'est Ya. On va appeler Ya. La grotte du chef, donc, qui a un superbe tapis en peau d'ours étalé, tanné, cuir, tout ce que tu veux. Et 3 coffres. 3 coffres, mais gratos. Non, 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 chut, de fin. Alors, oh, des flèches. Plus 1. Bah, je vais les revendre. Écoute, je vais les revendre. Là, il y a un coffre, un gros coffre. Donc, du coup. Gros coffre avec de la merde. Un piège. Oh, des gants. Oh, un gant de. Oh, un gant de roublard. Plus 2. Je prends. Et. Bah, voilà. Ça a servi un peu à rien, mais bon. Bon. Le grand combat où il y a encore un étage? Il y a encore un étage. On va descendre. La tyrolienne. Enfin. L'escalade. Oui. Ah, toi aussi tu l'as vu, notamment pas avec cette part qui brille.
Sans doute, c'est trois, c'est quatre portes qui brillent. Et aussi, c'est le mystérieux signe et ce levier de... Ce levier. Alors, une puissante magie opérant en ce lieu autrefois, mais exemple d'un parent perçoit, genre une tournée avec l'écran ancienne, ça me fait aucun... L'ancienne magie! Tu veux dire que... Ah! Ah! Alors, il y a un passe... Alors, il y a une corde, il y a un passant enchanté, il y a un coffre. Bassin enchanté. 5 symboles, tiens. Le bassin est calme mais diffuse une légère lueur. Vous avez senti que vous avez... Ah oh, examinez plus attentivement les symboles. Les symboles sont faciles à reconnaître. Une flamme, une goutte d'eau, une pierre, un petit tourbillon et un cercle au coin des 4 précédents. Il apparaît possible d'appuyer sur n'importe quel de ces motifs. C'est sans doute. On va essayer de savoir. Alors, parfait, un savoir critique. Alors. Origine néthérienne et vous pensez comprendre ce qu'elle signifie. Alors, les runes représentent un genre de babiole en argent placé dans le cercle d'où viennent les symboles décrivant le processus. D'accord. Décryptage, oui. Échec, oui, bon, d'accord. Ne pas toucher la plateforme. Donc, ça fait quelque chose. Basiquement, si j'appuie sur les 5 trucs et qu'il se passe un truc, ça va être sur ma. Qu'est-ce que c'est que ça? Le feu alchimique. Du feu alchimique, du quartz, de la pierre de givre. Une fiole. Oh, ça pue l'énigme. Un gobelin. Avec une note. Maître nous dire de descendre là. Lui dire chercher truc magique. Nous rien trouver. Des jours nous chercher. Mon gaillard plus là. Moi pas revenir maintenant. Maître pas content. Moi faim, mais ça moins douloureux que colère, maître. Vieille faire jolie lumière, moi penser chemin avec même jolie lumière, être sans danger. Mon gaillard, pas croire, moi et eux morts, eux avoir pris mauvais chemin et eux brûlés. Mais bien, moi, mais moi bien, pardon. Mais moi, pas combattre diablotin volant tout seul, moi manger botte maintenant et moi espérer. Oulala. Ah! Donc, si je résume bien. Non, 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 pas la chaîne, pas la chaîne. Il se passe des choses. Oh, une fiole de. Putain, mais ces fioles sont tellement classe. Donc il y a une porte. Basiquement, on va essayer de comprendre. Il y a une porte avec un coffre qui a déjà été ouvert. Oui. Je suis complètement d'accord. Avec rien dedans. Donc, quatre chemins, une porte. Ce que je pense, c'est qu'il faut, avec un levier aussi, chacune des portes mène à un chemin différent. Chemin qui... Nous donnons un indice sur une combinaison à faire, combinaison à reproduire sur ce bassin qui enclenchera quelque chose. Et ce levier, entouré de symboles ésotériques, magiques que je ne sais pas ce que c'est, nous permettra de faire quelque chose. Ce que je vous propose, c'est qu'on se garde ce mystère pour la prochaine fois. Je suis un salaud, je sais. Donc, du coup, si cette intrigue vous plaît, et que vous êtes chaud pour la suite, je vous invite à liker la vidéo, à liker l'épisode de la session complète plutôt, à commenter pour vous savoir qu'est-ce qui serait la meilleure stratégie, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite de cette aventure, et si le contenu vous plaît en général, et à me suivre sur Twitter ou... Je parle, je suis très présent et je annonce des trucs des fois. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights, Shadows of Endred Tide.